Salut les gars, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour quoi ? Pour parler de la Ligue des Champions, de ce match incroyable entre Liverpool et le Real Madrid qui s'annonce en finale de Ligue des Champions. Et oui, forcément, dans cette vidéo, je vais vous livrer un pronostic, mais pas que. On va aussi faire une analyse. Pour ça, je vais vous choisir un joueur côté Real et un joueur côté Liverpool qui pour moi feront la différence et qui pour moi, s'ils sont au niveau, vont vraiment faire basculer la rencontre d'un côté ou de l'autre. Mais ensuite, c'est pas fini parce que moi, j'aime les choses précises et vous le savez. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'aime la tactique. Pour ça, je vais prendre un point tactique côté Liverpool et un point tactique côté Real qui pour moi, s'ils sont, on va dire, exécutés, vont permettre de faire pencher la balance. Donc, avant de vous donner mon pronostic que vous attendez forcément énormément, voilà, pour peut-être aller pianoter sur des sites de paris sportifs et gagner un maximum d'argent. Moi, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas vous, forcément vous faire gagner de l'argent, mais en tout cas, je vais essayer de vous faire réfléchir. Alors, le joueur que j'ai choisi côté Liverpool, qui pour moi fera basculer la balance, c'est Trent Alexander-Arnold. Alors certes, c'est pas un joueur offensif, mais je pense que tout va reposer sur lui. Pourquoi ? C'est très simple. Parce que de son côté, il a qui ? Il a certes un milieu gauche du Real, ou peut-être pas un milieu gauche, mais il aura forcément un joueur. Parce que vous savez que le Real peut jouer avec Isco, Ronaldo et Benzema, mais c'est vrai que forcément, qu'importe la compo, il aura un joueur offensif dans son couloir. Ça pourra être Asensio, ça pourra être Lucas Vazquez, mais ça pourra aussi être Ronaldo. Parce que dans un 4-1-2-1-2, composition que Zidane aime beaucoup avec Isco en 10, et bien forcément, il pourra, Ronaldo, souvent revenir dans ce côté qu'il affectionne tant et venir provoquer le petit Alexander-Arnold, qui est forcément, à côté de lui, il y a un petit Lovren. Et c'est pas la fête, c'est pas le côté le plus solide défensivement côté Liverpool. Mais ce qui est gênant, et c'est pour ça que je mets le rôle d'Alexander-Arnold vraiment au premier plan, c'est qu'après, il aura des montées incessantes, et je dis bien incessantes, d'un certain Marcelo, qui est dans une réussite et dans une forme folle, qui est peut-être dans un des meilleurs moments de sa carrière, et qui sincèrement, en ce moment, est vraiment génial. Je vous le dis. Pourquoi ? Parce qu'il est en réussite, c'est tout. Marcelo est en réussite. Voilà, en témoigne ses frappes de loin qu'il met, ses montées vraiment fracassantes qu'il fait avec le Real. Donc sincèrement, le rôle de Alexander-Arnold, alors certes, je lui fais peser peut-être beaucoup sur ses jeunes épaules, mais sincèrement, ça va être extrêmement important. Il va devoir gérer. Alors ça dépendra aussi de quel milieu centre il a pour pouvoir venir compenser, on va dire, parce que vous le savez, Arnold ne défendra pas tout seul ce côté droit. Forcément, ça va compenser, même Salah va venir aider. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va forcément se retrouver dans des situations où Marcelo dédouble, où va falloir tenir ce Marcelo, où Marcelo va rentrer central, est-ce qu'il faudra le suivre, est-ce qu'au final ce sera le milieu centre qui va le suivre, je ne sais pas, on ne va pas forcément parler déjà de tactique. Ce qui est sûr, c'est que Alexander-Arnold devra fournir un match incroyable, parce qu'il aura certes un milieu gauche de talent, de grand talent, mais il devra aussi faire gaffe aux montées de Marcelo, l'éviter, éviter qu'il centre, éviter qu'il te dribble, etc. Parce que tu as vraiment, dans cette équipe du Real, presque deux ailiers gauches qui vont tout le temps provoquer Arnold. Ce qui est vraiment spécial parce que d'habitude, certes, t'as un milieu gauche, tu sais qu'il est technique, voilà, faut que tu fasses gaffe. Mais là, tu fais doublement gaffe parce que Marcelo, il est aussi technique, voire peut-être plus technique que les milieux gauches du Real Madrid. Donc va vraiment falloir faire gaffe et Arnold, son rôle sera fondamental. Et ensuite, côté Real, le joueur que j'ai choisi, c'est Casemiro. Pourquoi lui ? Tout simplement parce que Liverpool, vous le savez, c'est une équipe de contre. Le Real est bon en contre, mais le Real peut vraiment revêtir tous les attributs, tous les systèmes, ils peuvent les exécuter, c'est simple. Ils peuvent garder la balle, ils peuvent avoir un jeu de possession tout à fait intéressant, de décalage sur les côtés, de jeu en triangle, de choses qui permettent d'aller vers l'avant. Ils peuvent aussi avoir un jeu de centre vraiment intéressant sur les têtes de Ronaldo et Benzema. Par contre, comme je vous l'ai dit, Liverpool, ce sera de la contre-attaque. Et eux, Liverpool, ce qu'ils veulent, c'est que ton bloc il soit désolidarisé, que ton bloc soit cassé en deux. Ils veulent casser ton bloc dans un seul but. Pouvoir te contre-attaquer. Ce qu'ils veulent, c'est créer des situations où ils sont en surnombre. Et donc forcément, tout va reposer sur Marcelo. Marcelo, c'est ce milieu défensif. Certes, c'est pas le leader. C'est pas le leader du milieu. Voilà, c'est pas un Modric ou un Kroos. C'est un joueur bien moins intelligent que ces deux joueurs-là. Par contre, lui, il est derrière le jeu. Lui, il peut anticiper. Et sa capacité à anticiper les contre-attaques de Liverpool, les pertes de balles du Real, va être fondamentale. Va pas falloir qu'il monte trop, va pas falloir qu'il se livre. Il va le faire, parce que on sait que Casemiro, c'est un joueur qui aime bien aller titiller le ballon et lâcher des grosses frappes. Par contre, il va falloir qu'il soit très très rigoureux dans ce match. Parce que c'est lui, ce premier rideau, qui va permettre de couper les contre-attaques. Parce que les Modric et les Kroos, ils sont très investis dans le jeu. Et donc forcément, quand une contre-attaque arrivera lancée à 100 à l'heure avec un joueur comme, je ne sais pas, Mané, Salah, qui sont des joueurs inarrêtables, si tu les laisses directement se frotter à la défense, c'est simple. Eux, sur un appui, ils peuvent crocheter. Je ne dis pas que le défenseur va être hors d'usage ou quoi que ce soit, parce qu'on est quand même face à Varane et Ramos, des défenseurs très rapides et très très durs dans le duel. Mais sincèrement,
Si tu les laisses, forcément, eux, ce qu'ils vont faire, ils vont combiner et c'est plus facile d'éliminer une ligne ou deux. Casemiro, c'est vraiment ce joueur qui peut venir annihiler une contre-attaque ou être ce joueur. Je ne vais pas vous apprendre l'apport d'un milieu défensif dans une composition comme celle du Real, mais c'est toujours ce joueur qui permet de compenser certaines pertes, etc. Voilà, tu as une montée de Robertson ou d'Arnold, tu dois compenser. Et c'est le joueur justement qui permet de compenser ce bloc justement du Real qui doit rester solide comme je l'ai dit. C'est cette première lame qui viendra stopper les contre-attaques. Si t'as pas cette première lame, bah forcément tu te retrouves à avoir des 1 contre 1 qui seront, c'est sûr tu vas en avoir, mais Casemiro lui ce qu'il pourra c'est les limiter. Limiter c'est 1 contre 1 entre Salah, Mané et les défenseurs du Real Madrid qui vont être forcément très compliqués à gérer parce que c'est des joueurs de 1 contre 1 géniaux et sur 1 contre 1 c'est simple. Ensuite ils passent et on sait que Liverpool et ses attaquants sont vraiment en réussite et donc forcément bah voilà, ça va marquer. Donc Casemiro, tu dois être ce premier rempart comme tu le fais très bien. Mais attention, je dis que son rôle va être fondamental, je dis pas qu'il va pas le faire ou qu'il doit le faire, c'est tout. Donc sincèrement, Casemiro, faut que tu sois ce grand milieu défensif dans ce match parce que sinon Liverpool vont avoir beaucoup de facilité. Parce que dribbler un joueur en 1 contre 1, ils savent le faire. Par contre, dribbler deux rideaux, ça devient plus compliqué. Ensuite, passons au petit point tactique. Alors, certes, dans cette finale, tactiquement, on a vraiment deux styles de jeu totalement différents. Ça va être dur de prendre deux points tactiques qui vont pouvoir faire la différence. Parce que on les connaît tactiquement ces deux équipes et je pense pas qu'elles changeront. Parce que le Liverpool de Klopp est une équipe de contre et le Real Madrid de Zidane est une équipe très libre. Il n'y a pas de principes de jeu fondamentaux. Voilà, on laisse clairement une liberté énorme au milieu de terrain et aux attaquants parce que des créateurs géniaux, peut-être les meilleurs du monde, Isco, Kroos, Modric, même Ronaldo, c'est un superbe créateur. Marcelo, ce qu'il apporte en attaque, il te crée du jeu offensif. C'est une équipe qui a besoin de très peu d'occasions pour marquer. C'est une équipe vraiment ce qu'on appellerait un peu un boss final. Voilà, ils peuvent à peu près tout faire, ils peuvent garder le ballon, ils peuvent contre-attaquer, ils peuvent être géniaux, ils peuvent avoir un jeu de centre génial, un décalage parfait. C'est une équipe vraiment techniquement. C'est ce qui te fait le mieux en Europe. Voilà, je vous le dis. Sur l'exécution tactique de ce qu'on appelle, voilà, comment on pourrait dire ça? Tout ce qui est décalage, c'est simple, le Real, c'est ceux qui font ça le mieux au monde. Voilà, ça va vite, c'est précis, c'est technique. T'as besoin d'aller de l'autre côté du terrain. Bam, allez, t'envoies quoi? Une transversale, ça arrive dans les pieds, c'est clean. Donc voilà, les deux identités des équipes, on les connaît. Maintenant, ce qui va être important, c'est des petits points tactiques. Des petites choses qui vont te permettre de faire pencher la balance de ton côté, parce que c'est vrai que ton simple style de jeu va être anticipé. Alors le petit point tactique, parce qu'on va essayer de réorganiser cette vidéo qui part totalement en couille. Liverpool, je vous le dis, faut qu'ils arrivent à jouer cette finale sur 90 minutes. S'ils jouent cette finale sur plus longtemps, s'ils jouent cette finale sur 120 minutes, voire au pénalty, ce sera perdu. Je vous le dis d'avance, pourquoi? Parce que certes, voilà, on va commencer direct, le Real c'est l'équipe la plus physique du monde. Il n'y a pas mieux. C'est une équipe qui fait tourner tout le temps. Voilà. Regardez depuis l'ère Zidane. Zidane a tous les matchs, que ce soit match de championnat, match de Ligue des Champions, etc. Il fait tourner. Tout le temps. Tout le temps. Ce qui fait que, bon, pour la finale, il mettra son 11 type, c'est sûr. Mais c'est une équipe qui fait tout le temps tourner. Donc les gars, vous le savez. Vous le savez que cette équipe est en forme. Alors je dis pas que le Liverpool de Klopp n'est pas en forme. Parce que c'est vrai que Klopp, depuis quelques matchs en Barclays Premier League, il fait lui aussi tourner. Mais sachez un truc. Le style de jeu de Liverpool, c'est de la contre-attaque, c'est du pressing très haut, du pressing fait par leurs attaquants, des mecs qui ensuite doivent remonter le ballon. S'ils la gagnent en défense, par contre, parce que s'ils l'interceptent en attaque, ils n'ont pas besoin de remonter le ballon. Mais souvent, c'est des ballons gagnés en défense quand même, la grande majorité du temps. Surtout face au Real Madrid, tu auras très peu d'erreurs de leur part. Surtout, une équipe pressée comme le Real, elle a très peu de difficultés. Donc forcément, tu récupères les ballons, ensuite il faut les remonter. Surtout que c'est des contre-attaques, donc tu cours. C'est énormément d'efforts. Surtout le pressing, voilà, on va revenir là-dessus. C'est ce qui te demande énormément d'efforts. Et Liverpool, c'est le pressing le plus oppressant avec celui de Manchester City. Et en tout cas, ils ne tiendront pas. Pourquoi ils ne tiendront pas? Parce que physiquement, c'est impossible de tenir 90 minutes face à une équipe aussi technique que le Real à presser pendant 90 minutes. Mais surtout, t'as pas de banc. Le Real, ils ont un banc. Modric, il peut se donner à 100%. Si à la 80e, même à la 60e, il est fatigué, il a des crampes, hop, tu fais entrer Kovacic, c'est son clone. En attaque, tu peux faire entrer Bale. Au milieu de terrain, tu peux faire entrer Asensio. T'as même des petits Ceballos qui sont super intéressants. Ceballos, il jouerait à Liverpool. Peut-être pas titulaire, mais il jouerait. Ensuite, voilà. En défense, c'est pareil, t'as Nacho. Nacho, c'est un bon défenseur. J'aime bien Nacho. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon défenseur. Le Real, ils ont peut-être le meilleur préparateur du monde. Pour ceux qui connaissent un peu en détail l'organigramme de ce club, leur préparateur physique, c'est le meilleur du monde. Donc ce sera très dur de tenir un style de jeu aussi physique tout le match. Sincèrement, ce que je conseille tactiquement à Jürgen Klopp, même s'il ne regardera jamais cette vidéo, c'est de jouer tout, quitte ou double, dans les 60 premières minutes de jeu. Tout donner, quitte à se prendre un but. On s'en fiche, parce que de toute façon, si tu tiens plus longtemps, tu marqueras pas, c'est sûr. Enfin. Si, tu marqueras peut-être un but, mais tu vas t'en prendre derrière. Tes joueurs ne tiendront pas ton style de jeu 90 minutes. Il le sait. Est-ce qu'il va pousser son style de jeu, pousser ses joueurs et espérer
que l'enjeu les fasse tenir. Moi, je ne pense pas. Si c'est pour finir le match avec des crampes, aller en prolongation et se prendre un but à l'usure, comme l'ont fait l'Atlético de Madrid qui a joué à 100% face au Real et au final s'est pris un vieux but par le Real en prolongation, faites-le, faites-le, mais ça ne tiendra pas. Jouez carte sur table dans les 90 premières minutes, jouez tout ce que vous avez, quitte à perdre, parce que sinon après, c'est fini, vous n'y arriverez pas, le Real est trop fort tactiquement et trop fort physiquement plutôt, c'est pas possible, faut jouer tout sur 90 minutes. Et ensuite, côté Real, comme je vous l'ai dit, pour le point tactique, ça m'a été très compliqué, parce que forcément, le Real, c'est une équipe qui tactiquement a très peu de principes de jeu offensif, voilà. Défensivement, bah, c'est simple, hein. T'as des joueurs qui sont tellement intelligents, ils te créent leur système tout seul, voilà, je pense pas que Zidane soit un entraîneur qui tactiquement... on va dire, inculque des choses à leurs joueurs, tout simplement, à ses joueurs. Voilà, il ne leur demande pas de pressing, il ne leur demande pas de dédoublement forcément très précis. On voit que c'est plutôt anarchique, voilà. Donc, sincèrement, c'est une équipe très libre tactiquement. Donc, c'est dur de poser un point tactique qui fera la différence dans la mesure où j'ai pas non plus envie d'être un marabout ou de vous inventer des points tactiques qui pourront faire la différence mais qui ne seront pas forcément appliqués ou qui ont 0% de chance d'être appliqués. Tout ce que je pense, c'est que Liverpool, c'est le parfait némésis du Real. C'est simple, Liverpool, c'est 11 individualités. 11 joueurs, c'est pas les meilleurs à leur poste. Ils sont même presque, si on prend le 11 de Liverpool, ils sont même tous presque moins bons que les joueurs du Real individuellement. Par contre, c'est un collectif. Un collectif qui permet de concurrencer une équipe comme le Real. Une équipe formée de 11 individualités. Peut-être les 11 meilleurs au monde à chaque poste. Alors, vous pouvez débattre autant que vous voulez, je m'en fous. Ce que je dis, c'est que c'est vraiment presque des top players à tous les postes au Real. Et c'est vraiment 11 individualités, sans style de jeu prédéfini, qui jouent ensemble et qui produisent forcément quelque chose d'incroyable parce que c'est peut-être les 11 meilleurs joueurs au monde. Enfin, c'est pas les 11 meilleurs joueurs, mais ils sont les top 50 des meilleurs joueurs du monde, tout ce que tu veux, tu m'as compris. Et ensuite, en face, t'as 11 joueurs qui sont clairement pas dans les meilleurs au monde. Si t'avais envie d'acheter des joueurs, à part Salah, à part certains joueurs Mané, etc., tu ne les achèterais pas en premier parce que c'est clairement pas des grosses stars. Par contre, c'est une équipe qui, c'est 11 profils. C'est 11 profils qui, ensemble, forment un effectif. Un effectif, un style de jeu, une tactique, une équipe qui, elle, peut concurrencer celle du Real Madrid. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, en tant que parfait némésis, le Real Madrid de Zidane va avoir du mal, forcément, de jouer face à une équipe, face à un collectif peut-être plus fort que le sien, avec des individualités moins fortes. Mais forcément, ça va s'équilibrer. Donc, tu auras du mal, parce que c'est une équipe qui va te demander beaucoup d'efforts. Donc je pense que moi, ce que doit faire le Real, pour ne serait-ce que perturber cet équilibre et essayer de forcément déstabiliser cette équipe de Liverpool, parce que c'est plus facile, je pense, de déséquilibrer une tactique précise, 11 joueurs qui jouent avec des idées de jeu très précises et qui ont forcément peu de liberté et qui jouent et qui appliquent les principes de Jurgen Klopp, plutôt que de renverser 11 joueurs qui jouent sans forcément style de jeu, mais 11 joueurs qui jouent de manière libre et qui sont peut-être les 11 meilleurs joueurs au monde, comme je vous l'ai dit. Donc, le Real, ce qu'il doit faire, c'est exploiter les failles de Liverpool, tout simplement. Ils ont que ça à faire, voilà. Tu leur donnes que ça tactiquement à faire, et c'est ce que Zidane devrait faire normalement. C'est simple, c'est s'adapter à l'adversaire, comme il le fait d'habitude. Et simple, c'est simple. Des trucs à la con comme ça, tu sais que Lovren, c'est quand même un défenseur plutôt faible, un défenseur qui est voué à faire des erreurs dans cette finale. Donc qu'est-ce que tu fais, Ronaldo, tout le temps, tu le fais couper premier poteau sur chaque centre. Et voilà, enfin, s'il est le centre arrive de la gauche, évidemment, couper premier poteau. Hanche, à chaque fois, il sera en 1v1 contre qui, Lovren. Et à un moment, ça rentrera. Pareil sur les côtés. Sur les côtés, tu as des jeunes joueurs. Tu pousses, tu prends tes ailiers, Carvajal, Marcelo. Tu pousses sur les côtés, tu y vas. Tu te limites pas, tu y vas, tu fonces. Donc voilà, j'ai rien de mieux niveau point tactique pour parler du Real Madrid. C'est une équipe qui, tactiquement, m'intéresse très peu parce que bah, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de principe révolutionnaire. Quand tu regardes cette équipe-là, tu vois pas tactiquement des choses qui te brûlent les yeux, qui te font fantasmer, même si c'est 11 merveilleux joueurs. Et c'est forcément, c'est l'individualité de chaque joueur qui te fait dire que cette équipe est géniale. Mais ce n'est pas vraiment leur style de jeu. Donc forcément, tactiquement, bah, c'est simple. Tu vois en quoi Liverpool n'est pas bon. Et ensuite, tu essayes d'exploiter les faiblesses de ton adversaire. C'est ce que fait Zidane, c'est un pragmatique. C'est ce que font beaucoup d'autres coachs très pragmatiques. Voilà, comme vous en avez vu plein dans le football. Par exemple, Deschamps adore faire ça. Voilà, il n'a pas de style de jeu, mais il va exploiter les failles de l'adversaire et il va s'adapter à chaque adversaire. Et je pense que c'est ce que fera Zidane, c'est pour ça qu'on le voit souvent jouer avec plusieurs équipes, avec plusieurs joueurs, etc. Parce qu'il s'adapte à l'adversaire et c'est ce qu'il devra faire. Et je pense que, voilà, exploiter les deux faiblesses principales tactiques de Liverpool, qui sont quoi? Leur défenseur central, Lovren, qui est certes très bon, hein, j'ai rien à dire, mais sincèrement, je sais qu'il va craquer un moment dans cette finale.
et leurs deux défenseurs latéraux. Donc j'ai envie de dire leur défense en général. Voilà, tu essayes d'éviter Van Dijk, voilà, tu mets peut-être Benzema sur Van Dijk, etc. Tu sais, à le gêner, à faire des blocs, etc. Et puis tu laisses des 1 contre 1 à Ronaldo sur Lovren, sur au deuxième poteau peut-être un Arnold. Oui, c'est dur à dire ça, un Arnold, c'est compliqué. Ou sur un Robertson. Et puis tu espères parce que le Real Madrid de Zidane opère beaucoup de centres. Donc forcément, ça devrait, moi je pense, être logiquement, parce que là on va passer au prono, une victoire du Real Madrid. Mais sincèrement, j'espère que ce sera une victoire de l'équipe de Jürgen Klopp. Parce que pourquoi? Parce que si Jürgen Klopp gagne, c'est plus qu'une simple équipe qui gagnerait la Ligue des Champions. C'est toute, on va dire, toute une école du football, l'école tactique qui gagnerait cette Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que si tu gagnes cette Ligue des Champions, tu montres à tous les riches investisseurs dans le football que le football, c'est pas que des millions. C'est aussi une idée de jeu, c'est aussi une philosophie. Et que par une philosophie précise, tu peux y arriver. Tu peux renverser ces très grosses équipes européennes. Et ça peut donner espoir à de nombreux clubs rachetés avec, on va dire, de grandes ambitions, qu'on ne prend pas au sérieux. L'Olympique de Marseille, par exemple. Personne ne les prend au sérieux quand ils parlent de Champion Project. Voilà, beaucoup. On est tous là à dire, on va voir ce que ça donne. Bah sincèrement, c'est peut-être ce genre de prestation, comme celle de Liverpool, même si Liverpool est extrêmement plus riche que l'Olympique de Marseille, mais à un moindre niveau bien sûr, qui peut prouver que 11 joueurs qui tactiquement sont présents, qui tactiquement sont au rendez-vous, peuvent faire la différence. C'est ça la portée de ce match. C'est ça. C'est est-ce que 11 joueurs moins bons que 11 joueurs meilleurs peuvent renverser l'équilibre déjà posé par les qualités intrinsèques de chaque joueur et faire triompher ce qu'on appelle le collectif, triompher la tactique. Ça, c'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu et c'est pour ça que cette finale est géniale. Des finales comme ça, on a déjà eu plein. On a déjà eu celle du Real contre l'Atlético de Madrid qui a été gagnée par le Real Madrid parce que l'Atlético Madrid avait trop laissé jouer le Real Madrid. Et forcément, le Real Madrid, bah, après, à la 120e minute de jeu, eux, ils sont toujours en forme. Hein, les gars, ils sont là, ils sont physiquement, ils sont au rendez-vous. Toi, t'es moins bien parce que tactiquement, tout système tactique qui se respecte demande forcément beaucoup d'efforts de ses joueurs. Donc forcément, tu craques à la fin du match. Donc vraiment, c'est ça la clé. Ne pas craquer, tenir et essayer de faire triompher la tactique. Donc mon prono, vous attendiez peut-être un prono objectif. Mon prono objectif, voilà, victoire de 2-1 du Real Madrid. Voilà, vous êtes content. Mon prono, qui serait mon prono rêve, mon prono cœur, ce serait une victoire 3-2 de Liverpool. Donc voilà, mon prono, il est celui-là. 3-2 Liverpool, doublé de Mohamed Salah, un but de Firmino, et en face, on s'en fout. De toute façon, c'est le Real Madrid, tout le monde peut marquer, c'est la fête. C'était Joe, j'espère que ça t'a plu. Donne-moi en commentaire le joueur qui fera la différence, le point tactique qui fera la différence, côté Liverpool, côté Real, ce que tu veux. Et pose un petit pouce vert, ça me ferait plaisir si t'aimes bien ce genre de vidéo. C'était Joe, allez bye.